Dans quelque temps, il va falloir que le Parti socialiste ait un candidat digne de ce nom, dynamique, et potentiellement vainqueur des élections présidentielles. Parce que le grand enjeu, quand même, c'est de revenir sur ce gâchis et d'avoir un vrai président de gauche dans la République française. Ça pour 5 ans. Alors pour l'instant, là, on est dans notre choix interne. Et dans notre choix interne, par rapport à toutes ces préoccupations, il me semble que Dominique Strauss-Kahn, c'est le camarade avec lequel on peut travailler. Parce que depuis des années, il a montré dans sa militance, dans sa pratique, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau local, que les problèmes économiques, sociaux et culturels de la société d'aujourd'hui, il les connaissait bien. Parce que face à la droite musclée, face vraisemblablement à un candidat du type Sarkozy qui porte un discours global, il faut vraiment que la gauche porte les valeurs de l'ensemble de nos concitoyens. Moi, je suis élu dans une ville, maire d'une ville de banlieue, et dans une circonscription entièrement populaire, entièrement, comme on disait, ouvrière. Certes, l'aristocratie ouvrière a vieilli, mais il n'empêche que la capacité de développer les dimensions de développement économique en France et les dimensions de développement économique en Europe, ça c'est une chose essentielle. Une chose essentielle, c'est de prendre en compte justement les préoccupations de l'ensemble des salariés, de leurs enfants et de leurs grands-parents. Et là aussi, cette dimension-là suppose une vraie capacité. D'autant plus, et c'est ça qui est important, n'oublions pas que finalement notre choix de candidat pour les élections présidentielles, c'est un candidat pour 5 ans. On n'est plus dans le jeu du septennat avec le président omnipotent loin de tout. On est là dans la nécessité d'avoir quelqu'un qui pendant 5 ans va inspirer et animer des politiques. Et là, vraiment, Dominique, compte tenu de ce que nous connaissons les uns et les autres, c'est celui qui porte toutes les dimensions. Donc, je continue à militer pour qu'à l'intérieur du parti, on vote pour lui.